Allez, salut, 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 voilà. Si vous avez vu l'écran, c'est que c'est Dissam Hospital. Je suis sur la chaîne de Monsieur le Risso 225. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer un peu sur le thème de Bourse de Canada. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs de mes abonnés qui m'écrivent, qui me disent, qui me demandent par exemple pourquoi je ne fais pas de bourse, pourquoi je ne fais pas de commentaires, pourquoi je ne fais pas de vidéos sur les bourses du Canada. En fait, les bourses du Canada, en fait, j'ai assez d'informations, mais pourquoi je ne fais pas de bourse de, pourquoi je ne fais pas de vidéos sur la bourse du Canada, tout à l'heure, je vais vous expliquer et vous allez mieux comprendre. En fait, ce qui, dans un premier temps, ce que je voulais vous demander, c'est de me laisser une pouce bleue. Et puis, si vous venez juste de me voir, voilà, connectez-vous et abonnez-vous pour que vous ne ratez pas de thèmes de bourses. Parce que ici, je partage plusieurs bourses, voilà. Je partage plusieurs informations plutôt sur des bourses, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la bourse du Canada. C'est que la bourse du Canada existe. Ça existe bel et bien, voilà. Et la bourse du Canada pouvait être comme la bourse de Russie, comme la bourse de Roumanie, comme la bourse de Turquie, vous comprenez? Voilà. Mais pourquoi le Canada n'a pas de site ou bien ne lance pas, ne donne pas ces bourses-là comme ces bourses de Turquie ou de Russie où vous allez sur des sites, vous remplissez et puis voilà, on choisit ce qu'on doit choisir. Pourquoi? En fait, en réalité, le Canada est toujours sous la forme, sur l'ancienne forme. C'est quoi l'ancienne forme? C'est quoi l'ancienne forme? C'est où les pays européens, ils envoyaient des bourses aux ambassades, vous comprenez? Ils envoient des bourses aux ambassades et puis maintenant l'ambassadeur signale le gouvernement et par rapport à cela, le gouvernement choisit ses meilleurs élèves, il leur donne les bourses et voilà, et vous allez. Mais de nos jours, c'est pas comme ça. De nos jours, je ne veux pas citer d'institution parce que j'en connais plusieurs, voilà. De nos jours, les bourses du Canada, c'est quoi? Le Canada envoie ses bourses. Mais déjà, même l'année qui va suivre pour qu'on puisse avoir les bourses du Canada, on sait déjà à qui attribuer ces bourses. C'est pourquoi vous ne voyez pas les bourses du Canada distribuées aussi gratuitement. On sait déjà à qui envoyer ces bourses. Vous comprenez? C'est pourquoi vous n'allez... Moi, je ne fais pas de vidéos sur le Canada. Voilà, donc si vous me comprenez. Le Canada, avant même que le Canada... n'envoie ses bourses, c'est-à-dire on est en 2021, les bourses de 2022, on sait déjà à qui envoyer, vous comprenez? Voilà, je dirais pas que c'est pas parce que c'est, en fait c'est pas sérieux, c'est tout, c'est pas sérieux. Voilà, donc les seuls événements où moi je sais, voilà, parce que c'est ce que je vois, que je vous dis, pour ceux qui m'écrivent toujours un message, pour ceux qui m'écrivent des messages pour me demander en ce qui concerne la bourse du Canada, pourquoi je ne poste pas des vidéos sur la bourse du Canada, aujourd'hui je vais vous dire. Si je ne poste pas des vidéos sur la bourse du Canada, c'est parce que la bourse du Canada est déjà dirigée sur des personnes. Vous comprenez? Voilà. Donc si l'ambassade reçoit ses bourses, on sait déjà à qui donner. C'est pourquoi vous n'entendez pas, on ne signale pas ces bourses du Canada. Ces bourses du Canada, comme on le dit, c'est pas tuyau, c'est tout. La seule possibilité d'avoir une bourse qui est la bourse du Canada. Et puis ceux, par exemple, qui sont sur le net, qui vous disent non, la bourse du Canada, tant, ainsi, par là. En fait, moi, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux, seulement que je vous dis en même temps de faire très attention, c'est tout. Voilà. Parce que la bourse du Canada, comment ça se passe? Pour avoir une bourse là-bas au Canada, il faudra d'abord être inscrit. Si vous avez une bonne notion et que vous avez une bonne université qui vous répond franchement, il faudra d'abord être inscrit dans une université. Et lorsque vous êtes inscrit dans une université, par cette université, si vous avez de bonnes moyennes, puisqu'il y a des bourses qui sont à l'intérieur des universités, voilà, parce qu'il y a des institutions qui sont bien reconnues dans les universités, comme au Canada par exemple, sont bien reconnues dans les universités et qui donnent des bourses aux étudiants. La bourse des meilleurs scientifiques, la bourse des trois premiers, la bourse des ouvriers, la bourse de temps, il y a beaucoup de bourses. Donc, si vous prenez par exemple une université, vous allez dans une université du Canada, vous pouvez avoir ces bourses. Mais comment aller dans une université du Canada
Et est-ce que vous avez la possibilité, parce qu'il faudra être inscrit d'abord là-bas, est-ce que vous avez les moyens de vous inscrire dans une université là-bas au Canada? C'est là le problème. Sinon, vous pouvez vous inscrire dans une université, ceux qui ont les moyens, si vous avez au moins quelque chose de, bon, je dirais pas les 2 millions ou bien 2 500 000 francs CFA. Si vous vous inscrivez là-bas dans une université au Canada et que vous travaillez bien, vous allez avoir ces bourses-là aussi facilement. Voilà, vous allez avoir les bourses aussi facilement. Mais dans un premier temps, il faudrait d'abord être inscrit dans une université là-bas au Canada avant d'espérer avoir une bourse. C'est pas sur les réseaux où vous allez remplir des fiches, on dit bon, vous allez avoir une bourse. Non, ça se passe pas comme ça. S'il y a des institutions qui font ça, alors faites très attention. Ça se passe pas comme ça. Voilà, donc pour la bourse du Canada, faites très attention. Et pour pouvoir être inscrit dans une université là-bas, si vous avez une personne qui est là-bas, vous dites à cette personne d'aller voir dans une université, vous choisissez une université sur internet et vous dites à la personne, ok, je veux aller dans cette université, donc va et vois comment ça se passe pour les modalités, comment ça se passe pour les frais de scolarité et tout ça. Parce qu'il faudra être inscrit là-bas d'abord. Vous allez faire une année, parfois même deuxième année avant d'avoir la bourse. Vous allez d'abord finir l'année, la première année d'abord. Donc si la personne part voir là-bas et que vous pouvez adhérer, si vous avez les moyens, par exemple 2000 euros ou bien 2500 euros, il y a des universités qui sont un peu moins chères là-bas. Voilà, donc à 2500 euros ou bien 3000 euros, vous adhérez à ces universités. Voilà, maintenant ça sera à vous maintenant de faire quoi? De pouvoir vous engager, de pouvoir mieux travailler pour avoir une bourse là-bas. Vous comprenez? Donc, ceux qui m'envoient des messages en ce qui concerne la bourse, j'espère que ça va s'arrêter parce que j'ai fait cette vidéo juste pour vous. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, si vous n'avez personne là-bas pour vous diriger en ce qui concerne des universités, le seul lien que moi je trouve fiable, voilà, c'est le site du CCAC.net. Voilà, le CCAC.net, ça, vous pouvez taper sur internet, CCAC.net, ça part de février à mars. De février à mars, vous avez la possibilité de choisir des universités. Et quand vous allez choisir ces universités-là, ils vont vous envoyer, eux-mêmes, ils vont vous envoyer une lettre d'admission. Vous allez remplir la lettre d'admission, ils vont vous envoyer les conditions de la lettre d'admission et tout ça. Vous allez voir qu'eux-mêmes vont créer, ils vont créer un compte de l'université pour vous, où vous êtes, où la chambre où vous allez dormir et tout ça, si vous allez payer les factures de l'électricité et tout ça. Donc ça pour vous dire que quoi? Ça pour vous dire que en fait pour aller étudier au Canada, c'est vrai qu'il y a du travail, il y a tout, puisque moi j'ai des amis là-bas, il y a du travail, il y a tout, mais c'est pas un petit budget. Vous comprenez? C'est pas un petit budget. Donc si vous voulez vraiment aller au Canada et que vous ne savez pas comment faire, moi je vous dis, c'est pas, je ne donne pas ici des sites de bourse. Je vous dis clairement, si vous voulez avoir une université là-bas au Canada, ok, allez-y sur CCAC, ou bien si vous avez une amie là-bas, ou bien un ami là-bas, il peut aller dans une université pour se renseigner, pour pouvoir avoir une admission pour vous, pour le Canada. Et lorsque vous allez là-bas, voilà, lorsque vous allez là-bas, vous pouvez maintenant vous débattre, vous pouvez maintenant mieux étudier pour avoir la bourse de cette université. Sinon, les bourses en direct comme la Turquie, la Tunisie, pour l'instant, le Canada n'a pas encore essayé ça. Voilà. Et les bourses qu'ils envoient, ils envoient dans les ambassades. Les ambassades, après, vous allez retrouver ça dans les structures. Et c'est ces structures-là qui vous vendent ces bourses. Vous comprenez? Donc, le lien entre l'ambassade et la structure, moi, je ne peux pas trop parler. Voilà. Vous-même, vous êtes là-bas, vous savez comment ça se passe. Donc, je ne vais pas citer les structures ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc pour ceux qui veulent aller à la qui veulent avoir des bourses, il y a trois options. Soit vous achetez les bourses puisque il y a des structures qui les vendent, vous achetez ces bourses là. En seconde position, soit vous dites à une personne là-bas au Canada d'aller voir une université pour vous, pour que vous puissiez aller dans cette université et travailler mieux pour avoir la bourse de cette université. Et en troisième position, si vous n'avez personne là-bas, vous pouvez aller sur CCAC. Actuellement, on est en février, mars, et c'est que c'est ouvert. Si c'est pas encore fermé, bon, c'est en février, mars qu'ils ouvrent. Donc, vous pouvez aller sur CCAC.net. Vous allez voir, il y aura des universités. Vous allez choisir ces universités-là. Et vous allez soumettre vos dossiers. S'ils vous répondent, vous allez voir que vous pourrez, par exemple, comme ça, aller dans ces universités-là. Mais ça, c'est le dernier des soucis. Parce que le premier des soucis, c'est lorsque vous allez avoir l'admission, comment vous allez faire tous les documents qu'ils demandent pour que vous puissiez avoir le visa et tout ça. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc les gars,
Si vous êtes intéressé, voilà, allez-y sur CECAC. Vous allez voir que il y a toutes les informations là-bas. Vous allez pouvoir aller où vous voulez. Vous allez avoir la bourse que vous voulez. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était moi, Jean-Marc Hospital. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est pas seulement le Canada que qu'on peut avoir le travail plus facilement. Il y a aussi plusieurs endroits. Donc, restez connectés. J'ai des informations pour vous et vous serez ravis. Ok, merci et à plus. Surtout, abonnez-vous et bye.